Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer tout ce que l'on peut faire durant le mois d'août. Qui dit nouveau mois dit forcément nouveauté, et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la première chose à faire. Numéro 1, les feux d'artifice. Comme l'année dernière, on aura le droit à nos feux d'artifice tous les dimanches soirs du mois d'août. Le festival commence à 19h, et Marie nous remettra un de ses 4 serre-têtes lumineux. Elle en distribuera un nouveau tous les dimanches, et on pourra aussi participer à la loterie de Runard. Au total, il y a 24 lots à remporter, dont 12 qui sont issus de la dernière mise à jour. On pourra par exemple gagner en plus des Barba Papa, des Esquimaux ou encore des Bubble Tea. Et si vous le souhaitez, on pourra aussi discuter avec Marie pour modifier nos feux d'artifice. On pourra observer dans la soirée un des motifs que vous avez choisi. Numéro 2, les crafts saisonniers. Pour l'hémisphère nord, le mois d'août est le dernier mois de l'été avant de passer à l'automne. Du coup, comme pour le mois de juin et juillet, on pourra ramasser des coquillages estivaux le long des plages pour créer par exemple un tapis coquillage estival ou encore un magnifique sol haut. Pour l'hémisphère sud, l'hiver se terminera le 24 août et il faudra donc récolter vos derniers crafts d'hiver avant la fin du mois car dès le 25 août, ce sera le début du printemps. On devra alors réussir à créer des yétiti parfaits pour avoir des plans arctiques ou bien éclater des ballons pour obtenir des plans flocons de neige. Numéro 3, les objets saisonniers. Comme pour tous les mois, on pourra commander des articles saisonniers dans le Nook Shopping. Du coup, pour les nouveautés du mois d'août, on pourra commander un animal de ranch sur ressort à l'occasion du festival des cowboys. Ensuite, du 5 au 14 août, on a la tenue d'Orihime et la tenue d'Ikoboshi qui font leur grand retour pour la légende du bouvier et de la tisserande. Et du 10 au 16 août, on pourra obtenir un cheval concombre et une vache aubergine pour célébrer le festival au bonne. Numéro 4, l'insecto safari. L'insecto safari de l'été continue dans l'hémisphère nord, et ce mois-ci, il aura lieu le samedi 28 août. Bon, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu le principe de ce concours, mais il faudra attraper un maximum d'insectes en un minimum de temps pour obtenir des points. Avec ces points, on pourra obtenir de nombreux objets de la collection de Jason, et c'est aussi une occasion en or pour atteindre les 300 points et décrocher votre trophée doré insecte si vous ne l'avez toujours pas obtenu. Numéro 5, les buissons. Alors si jamais vous vous êtes déjà occupé de changer vos buissons durant le mois de juillet, eh bien vous n'avez pas grand chose à faire pour ce mois-ci, puisque ces mêmes buissons seront fleuris durant tout le mois d'août. Du coup pour l'hémisphère nord ce sont les hibiscus qui seront fleuris, et pour l'hémisphère sud ce sera le camélia. Numéro 6, la bébétopédie. Et on termine déjà cette vidéo avec la bébétopédie du mois d'août. Alors ce mois-ci, on peut apercevoir 3 nouveaux insectes dans l'hémisphère nord. Donc il y a la cigale cicadelle, le criquet et le criquet pèlerin. Il y a aussi 3 nouveaux poissons à pêcher qui sont la raie, la murène et la tortue trionyx. Et pour les créatures marines, seul le ver plat est nouveau ce mois-ci. Comme d'habitude, si jamais vous souhaitez compléter votre bébétopédie, je vous recommande le site d'Animal Crossing Online, qui est vraiment super et qui vous donne vraiment toutes les infos dont vous avez besoin sur ces bestioles. Bon et ben voilà pour les 6 choses à faire ce mois-ci. Bon, je pense qu'on est tous un petit peu déçus de cette dernière mise à jour parce qu'au final elle apportait que des objets saisonniers, mais pour ma part je suis persuadée qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive en fin d'année et qu'il faut prendre un petit peu encore notre mal en patience. Du coup, ben c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Si vous le souhaitez, tous mes réseaux sont dans la barre d'infos et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !